retard, évidemment. Nous avions rendez-vous à 11h30. Il est bientôt midi. Excusez-moi, vous m'attendez depuis longtemps? Non, j'arrive, vous voyez bien. Bah, alors je me sens moins coupable puisque vous-même... Moi, ce n'est pas pareil, je n'ai pas à attendre, je n'ai pas de temps à perdre. Vous n'êtes jamais à l'heure, je viens exprès en retard. Au moment où je suppose avoir la chance de vous trouver. C'est juste. Pourtant... Vous ne pouvez affirmer que vous venez à l'heure convenue. Évidemment, je ne pourrais l'affirmer. Vous voyez bien. Qu'est-ce que vous buvez? Vous avez soif, vous, dès le matin. Fait tellement chaud, tellement sec. Plus on boit, plus on a soif. Fait moins sec, on aurait moins soif. Si on pouvait faire venir dans notre ciel des nuages scientifiques. Ça ne serait pas votre affaire. Ce n'est pas d'eau que vous avez soif, mon cher Béranger. Que voulez-vous dire par là, mon cher Jean? Vous me comprenez très bien, je parle de l'aridité de votre gosier. C'est une terre insatiable. Votre comparaison, il me semble... Vous êtes dans un triste état, mon ami. Dans un triste état, vous trouvez? Je ne suis pas aveugle. Vous avez encore perdu la nuit, vous bâillez, vous êtes mort de sommeil. J'ai un peu mal aux cheveux. Vous puez l'alcool. J'ai un peu la gueule de bois, c'est vrai. Tous les dimanches matin, c'est pareil. Sans compter les jours de la semaine. Ah non, en semaine, c'est moins fréquent. À cause du bureau. Et votre cravate, où est-elle? Vous l'avez perdue dans vos ébats? Tiens, c'est vrai, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Tenez, mettez celle-ci. Oh, merci, vous êtes bien obligeant. Vous êtes décoiffé. Tenez, voici un peigne. Oh, merci. Vous ne vous êtes pas rasé. Regardez la tête que vous avez. J'ai la langue bien chargée. Ce n'est pas étonnant, la cirrhose vous menace, mon ami. Vous croyez? Gardez la cravate, j'en ai en réserve des cravates. Vous êtes soigné, vous, hein? Vos vêtements sont tout chiffonnés, c'est lamentable. Votre chemise est d'une saleté repoussante. Vos souliers ne sont pas cirés. Quel désordre, vos épaules! Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes épaules? Tournez-vous, vous vous êtes appuyé contre un mur? Mais où donc avez-vous pris cela? Mais je ne m'en souviens pas. C'est lamentable, lamentable, j'ai honte d'être votre ami. Oh, vous êtes bien sévère. Vous le serez à moins. Écoutez, Jean, je n'ai guère de distraction. On s'ennuie dans cette ville. Moi, je suis pas fait pour le travail que j'ai. Et tous les jours au bureau pendant 8 heures. Mon cher, tout le monde travaille. Et moi aussi, comme tout le monde. Je fais tous les jours mes 8 heures de bureau, moi aussi. Et pourtant, vous me voyez. De la volonté, que diable! De la volonté, bah, tout le monde n'a pas la vôtre. Moi, je m'y fais pas à la vie. Tout le monde doit s'y faire. Seriez-vous une nature supérieure? Oh, je ne prétends pas. Je vous vaux bien. Et même sans fausse modestie, je vaux bien mieux que vous. L'homme supérieur est celui qui remplit son devoir. Quel devoir? Son devoir d'employé, par exemple. Ah ouais, son devoir d'employé. Où donc ont eu lieu vos libations cette nuit, si vous vous en souvenez? Nous avons fêté l'anniversaire d'Auguste, notre ami Auguste. On ne m'a pas invité, moi, pour l'anniversaire de notre ami Auguste. Mais j'ai pas pu refuser, là, ça n'aurait pas été gentil. Je suis allé, moi. Peut-être justement parce que vous n'avez pas été invité. Bonjour, messieurs. Vous il est vrai, je n'étais pas invité, on ne m'a pas fait cet honneur. Toutefois, je puis vous assurer que même si j'avais été invité, je ne serais pas venu. Car il y a... Et que se passe-t-il? Enchantée, monsieur. C'est bien fait pour elle. Elle n'a pas acheté chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai quand même pas lâché mon chat. On voit pas ça souvent. Je vais vous garder un instant. Je l'avais jamais vu. Il n'est pas méchant. C'est comme une comète. Méchant, c'est comme tout. Enfin. Oh, à ce prix-là. J'en ai. C'est pas ça qui manque. Dites, qu'est-ce que vous en dites? C'est du bon. Ne perdez pas votre temps. Occupez-vous de ces messieurs. De quoi parlez-vous? Va donc lui porter une autre bouteille. Du rhinocéros, voyons. Du rhinocéros. J'ai du bon vin dans des bouteilles incassables. Que voulez-vous boire? Deux pastis. Ah, bien, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur. Alors, deux pastis. C'est la moindre des choses, chère madame. Remettez-les méthodiquement. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Ben rien, ça fait de la poussière. J'ai aussi des poireaux. C'est moins cher au litre. Vous êtes bien aimable. À la politesse française, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Faudra venir acheter chez nous, vous n'aurez pas à traverser la rue. Vous ne risquerez plus les mauvaises rencontres. C'est tout de même extraordinaire. Très heureux de vous connaître. Merci, monsieur, d'avoir tenu mon chat. Voici vos pastis, monsieur. Ah, incorrigible. Puis-je vous faire un bout de conduite? Ah, mais j'avais commandé de l'eau minérale, hein. Elle s'est trompée. Mon mari m'attend, cher monsieur. Merci, ce sera pour une autre fois. Je l'espère de tout mon cœur, chère madame. Moi aussi. Il n'y a plus de poussière. Délicieuse. Rhinocéros, je n'en reviens pas. Charmante, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer le syllogisme. Ah oui, le syllogisme. Je n'en reviens pas, c'est inadmissible. Le syllogisme comprend la proposition principale, la secondaire et la conclusion. Quelle conclusion? Non, je n'en reviens pas. Oh, mais ça se voit que vous n'en revenez pas, c'est un rhinocéros. Ah oui, c'est un rhinocéros, il est loin. Mais voyons, c'est inouï, un rhinocéros en liberté dans la ville. Cela ne vous surprend pas? On ne devrait pas le permettre. On ne devrait pas le permettre, c'est dangereux, mais j'y avais pas pensé. Ne vous en faites pas, nous sommes hors d'atteinte. Nous devrions protester auprès des autorités municipales. Peut-être que le rhinocéros s'est-il échappé du jardin zoologique. À quoi sont-elles bonnes, les autorités municipales? Vous rêvez debout? Je suis assis. Assis ou debout, c'est la même chose. Ah, il y a tout de même une différence. Il ne s'agit pas de ça. C'est vous qui devez dire que c'est la même chose d'être assis ou debout. Vous avez mal compris, assis ou debout, c'est la même chose quand on rêve. Ah oui, je rêve, la vie est un rêve. Vous rêvez quand vous dites que le rhinocéros s'est échappé du jardin zoologique. Je dis peut-être. Car il n'y a plus de jardin zoologique dans notre ville. Depuis que les animaux ont été décimés par la peste. Il y a fort longtemps. Alors peut-être vient-il du cirque? De quel cirque parlez-vous? Je sais pas, un cirque ambulant. Vous savez bien que la mairie interdit aux nomades de séjourner sur le territoire. Ils n'en passent plus depuis notre enfance. Dans ce cas, peut-être était-il depuis lors resté caché dans les bois marécageux des alentours. Les bois marécageux des alentours. Les bois marécageux des alentours. Mon pauvre ami, vous êtes tout à fait dans les brumes épaisses de l'alcool. Elle vous enveloppe le cerveau. Où connaissez-vous des bois marécageux dans les alentours? Notre province est surnommée la Petite Castille, tellement elle est désertique. Que sais-je alors, peut-être s'est-il abrité sous un caillou, peut-être a-t-il fait son lit sur une branche desséchée. Si vous vous croyez spirituel, vous vous trompez, sachez-le. Vous êtes ennuyeux avec vos paradoxes. Je vous tiens pour incapable de parler sérieusement. Aujourd'hui seulement, à cause de... Aujourd'hui autant que d'habitude. Ah non, pas autant tout de même. Vos mots d'esprit ne valent rien. Non, je ne prétends nullement. Je déteste qu'on se paie ma tête. Oh, je ne me permettrai jamais, mon cher Jean. Mon cher Béranger, vous vous le permettez? Ah non, ça, je ne me le permets pas. Si, vous venez de vous le permettre. Mais comment pouvez-vous penser? Je pense ce qui est. Non, je vous assure. Je vous fais payer ma tête. Ah, oh, vraiment, vous êtes têtu. Vous me traitez de crétin, monsieur le marché. Vous voyez bien. Vous m'insultez. Non, ça ne peut pas me venir à l'esprit. Vous n'avez pas d'esprit. Ah, mais raison de plus pour que ça ne me vienne pas à l'esprit. Il y a des choses qui viennent à l'esprit, même de ceux qui n'en ont pas. Cela est impossible. Pourquoi cela est-il impossible? Parce que c'est impossible. Expliquez-moi pourquoi cela est impossible. Est-ce que vous prétendez être en mesure de tout expliquer? J'ai jamais prétendu une chose pareille. Alors pourquoi vous en donnez-vous l'air? Et encore une fois, pourquoi m'insultez-vous? Mais je vous insulte pas, au contraire. Vous savez à quel point je vous estime. Si vous m'estimez, pourquoi me contredisez-vous? En prétendant qu'il n'est pas dangereux de laisser courir un rhinocéros en plein centre de la ville, surtout un dimanche matin, quand les rues sont pleines d'enfants et aussi d'adultes. Beaucoup sont à la messe, alors cela y risque rien. Permettez. Et alors du marché, encore. Oh, mais j'ai jamais affirmé qu'il n'était pas dangereux de laisser courir un rhinocéros dans la ville. J'ai dit tout simplement que je n'avais pas réfléchi à ce dans... Je ne me suis pas posé la question. Mais vous ne réfléchissez jamais à rien. Bon, d'accord, un rhinocéros en liberté, ça n'est pas bien. Ça ne devrait pas exister. Eh ben, c'est entendu, ça ne devrait pas exister. Non, mais c'est même une chose insensée. Non, c'est pas une raison de vous querer avec moi pour ce fauve. Non, mais quelle histoire me cherchez-vous? À cause d'un quelconque périssodactyle qui vient de passer avec tout à fait par hasard devant nous. Un quadrupède stupide et qui mérite même pas qu'on en parle. Et féroce en plus. Et qui a disparu aussi. Ah ben, qui n'existe plus. Et on va pas se préoccuper d'un animal qui n'existe pas.
Parlons d'autre chose, mon cher Jean. Parlons d'autre chose. Les sujets de conversation ne manquent pas à votre santé. Laissez ce verre sur la table. Ne le buvez pas. Je vais tout de même pas le laisser au patron. Laissez-le, je vous dis. Oh, attention, que vous êtes maladroit. Oh, c'est désir. Oh, je veux pas qu'elle me voie dans l'état où je suis. Vous êtes impardonnable. Absolument impardonnable. Cette jeune fille vous effraie. Taisez-vous. Elle n'a pas l'air méchante, pourtant. Excusez-moi encore une fois. Voilà ce que c'est de boire. Vous n'êtes plus maître de vos mouvements, vous n'avez plus de force dans les mains. Vous êtes ahuri, escalté. Vous creusez votre propre tombe, mon cher ami. Vous vous perdez. Moi, j'aime pas tellement l'alcool. Pourtant, si je ne bois pas, ça ne va pas. Et c'est comme si j'avais peur. Alors je bois, mais pour ne plus avoir peur. Peur de quoi? Je ne sais pas trop. Des angoisses, difficiles à définir. Je me sens mal à l'aise dans l'existence parmi les gens. Alors je prends un verre, ça me calme, ça me détend, ben j'oublie. Vous vous oubliez? Oui. Oh, je sens à chaque instant mon corps comme s'il était de plomb, ou comme si je portais un autre homme sur le dos. Je ne me suis pas habitué à moi, je ne sais pas si je suis moi. Vous avez des élucubrations, Béranger. Regardez-moi, je pèse plus que vous. Pourtant, je me sens léger. Léger! Oh, pardon, pardon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Vous avez de la force. Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. Ensuite, j'ai de la force parce que j'ai de la force morale. Voici un syllogisme exemplaire. Le chat a quatre pattes. Isidore et Fricot ont chacun quatre pattes. Donc, Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a quatre pattes. Alors c'est un chat. Moi, je l'appelle la force de vivre. J'en ai plus envie, peut-être. Donc, logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui. Mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse. La société aussi. Vous contredisez. Est-ce la solitude qui pèse ou est-ce la multitude? Vous vous prenez pour un penseur. Et vous n'avez aucune logique. C'est très beau, la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, rien de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Oh, les morts sont plus nombreux que les vivants. Leur nombre augmente, les vivants sont rares. Les morts, ça n'existe pas, c'est le cas de le dire. Cela aussi vous pèse? Comment peuvent peser ceux qui n'existent pas? Je me demande moi-même si j'existe. Vous n'existez pas, mon cher, parce que vous ne pensez pas. Pensez et vous serez. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Et il a quatre pattes, c'est vrai. J'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez? Vous êtes un farceur, dans le fond, un menteur. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un, cependant, vous intéresse. Qui? Votre petite camarade de bureau qui vient de passer, vous en êtes amoureux. Socrate était donc un chat. La logique vient de nous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous voie dans le triste état où vous vous trouviez. Cela prouve que tout ne vous est pas indifférent. Mais comment voulez-vous que Daisy soit séduite par un ivrogne? Revenons à nos chats. Je vous écoute. De toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc? Dudard, un collègue du bureau, licencié en droit, juriste. Grand avenir dans la maison, mais de l'avenir dans le cœur de Daisy aussi. Je peux pas rivaliser avec lui. Le chat Isidore a quatre pattes. Comment le savez-vous? C'est donné par hypothèse. Il est bien vu par le chef, moi j'ai pas d'avenir, pas fait d'études, j'ai aucune chance. Ah, par hypothèse. Et vous renoncez, comme ça? Que pourrais-je faire? Fricot aussi a quatre pattes. Combien de pattes auront Fricot et Isidore? Ensemble ou séparément? La vie est une lutte, c'est lâche de ne pas combattre. Ensemble ou séparément, c'est selon. Que voulez-vous, je suis désarmé. Armez-vous, mon cher, armez-vous. Huit, huit pattes. La logique met nos calculs mentaux. Elle a beaucoup de facettes. Où trouver les armes? La logique n'a pas de limite. En vous-même, par votre volonté. Quelles armes? Vous allez voir. Les armes de la patience et de la culture. Les armes de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page? J'enlève deux pattes à ces chats. Combien leur restera-t-il à chacun? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est simple au contraire. C'est facile pour vous peut-être, pas pour moi. C'est facile pour vous peut-être, pas pour moi. Faites un effort de pensée, voyons, appliquez-vous. Faites un effort de pensée, voyons, appliquez-vous. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas.
On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Prenez une feuille de papier, calculez. J'enlève 6 pattes à ces 2 chats. Combien de pattes restera-t-il à chaque chat? Attendez. Voilà ce qu'il faut faire. Vous vous habillez correctement. Vous rasez tous les jours. Vous mettez une chemise propre. Chapeau, cravate, costume élégant, chaussures bien cirées. Il y a plusieurs solutions possibles. Dites. Ensuite, que faire? Dites. Je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes timide, mais vous avez des dons. Moi, j'ai des dons. Mettez-les en valeur, il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Une première possibilité. Un chat peut avoir 4 pattes, l'autre 2. J'ai si peu de temps libre. Vous avez des dons, il suffisait de les mettre en valeur. Le peu de temps libre que vous avez, mettez-le donc à profit. Je n'ai guère eu le temps. On trouve toujours le temps de s'instruire. On a toujours le temps. C'est trop tard. C'est un peu tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous avez 8 heures de travail, comme moi, comme tout le monde, mais avec de la méthode. Avec méthode, avec méthode. Vous pouvez passer vos moments disponibles d'une façon intelligente. C'est-à-dire? Visiter les musées, aller entendre des conférences. Cela vous sortira de vos angoisses. Cela vous formera l'esprit. En 4 semaines, vous êtes un homme cultivé. Vous avez raison. Il peut y avoir un chat à 5 pattes. Vous le dites vous-même. Et un autre chat à 1 patte. Mais alors, seront-ils toujours des chats? Pourquoi pas? Au lieu de dépenser votre argent disponible en spiritueux, n'est-il pas préférable d'acheter des billets de théâtre pour voir un spectacle intéressant? Connaissez-vous le théâtre d'avant-garde dont on parle tant? Avez-vous vu les pièces de Eugène Ionesco? Non, j'en ai entendu parler seulement. En enlevant les 2 pattes sur 8 des 2 chats. Il en passe une en ce moment, profitez-en. Nous pouvons avoir un chat à 6 pattes? Ce sera une excellente initiation à la vie artistique de notre temps. Et un chat sans pattes du tout. Vous avez raison, vous avez raison. Je vais me mettre à la page, comme vous dites. Dans ce cas, il y aurait un chat privilégié. Je vous le promets. Promettez-le vous, à vous-même surtout. Et un chat aliéné de toutes ses pattes, déclassé? Je me le promets solennellement, je tiendrai parole à moi-même. Cela ne serait pas juste, donc ce ne serait pas logique. Pas logique. Dès cet après-midi, j'irai au musée municipal. Pour ce soir, j'achète 2 places au théâtre. M'accompagnez-vous? Car la justice, c'est la logique. Il faudra persévérer. Il faut que vos bonnes intentions durent. Je saisis la justice. Je vous le promets, je me le promets. M'accompagnez-vous au musée cet après-midi? Cet après-midi, je fais la sieste. C'est dans mon programme. La justice, c'est encore une facette de la logique. Mais vous voulez bien venir avec moi ce soir au théâtre? Non, pas ce soir. Votre esprit, c'est clair. Ce soir, je dois rencontrer des amis à la brasserie. À la brasserie? D'ailleurs, un chat sans pattes du tout. J'ai promis d'y aller. Je tiens mes promesses. Ne pourrez plus courir assez vite pour attraper les souris. Ah, mon cher, c'est à votre tour de donner le mauvais exemple. Vous allez vous enivrer. Vous faites déjà des progrès en logique. Cher ami, je n'ai pas coutume. Aucun rapport avec vous, car pour vous, ce n'est pas la même chose. Même sans pattes, le chat doit attraper les souris, c'est dans sa nature. Qui est-ce qui est dans la nature du chat? Parce que tout est affaire de mesure. Contrairement à vous, je suis un homme mesuré. Qu'est-ce que vous dites? Pas dites que moi, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... Je dis que... Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Un rhinocéros! Oh! Un rhinocéros! Oh! Un rhinocéros! C'est pas malheureux. Pauvre petite bête. Pauvre petite bête. Pauvre petite bête. Pauvre petite bête. Que faites-vous donc? Ramassez-moi ça. Oh, pauvre petite bête. Là, là, là.
Qu'est-ce que vous en dites? Ne pleurez pas, madame. Vous nous fendez le cœur. Monsieur Béranger, vous étiez là. Vous avez vu? Oh, mademoiselle Daisy, j'ai pas eu le temps de me raser. Pauvre petite bête. Pauvre petite bête. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Mon pauvre Mitsu. Mon pauvre Mitsu. J'aurais aimé vous revoir en d'autres circonstances. Que voulez-vous, chère madame? Tous les chats sont mortels. Il faut se résigner. Mon chat. Mon chat. Allez, portez ça à la poubelle. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, chère madame. Ça fait de la peine quand même. Oh oui, ça fait de la peine quand même. Asseyez-vous là, madame. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Un verre d'eau pour madame. Asseyez-vous, chère madame. Pauvre femme. Pauvre bête. Apportez-lui un cognac, plutôt. Un cognac. C'est monsieur qui paye. Entendu. Un cognac, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Il est déjà passé tout à l'heure, devant la boutique. Ça n'était pas le même. Pourtant. Oh si, c'était le même. C'est la deuxième fois qu'il en passe. Ça n'était pas le même. Si. Si, c'était le même, hein. Je crois que c'était le même. Non, ce n'était pas le même rhinocéros. Celui de tout à l'heure avait deux cornes sur le nez. C'était un rhinocéros d'Asie. Celui-ci n'en avait qu'une. C'était un rhinocéros d'Afrique. Voilà du cognac. Hein? Pour vous remonter. Non. Vous dites des sottises. Comment avez-vous pu distinguer les cornes? Le four est passé à une telle vitesse. À peine avons-nous pu l'apercevoir. Mais si, ça vous fera du bien. En effet, il allait vite. Écoutez-y, il est bon. Vous n'avez pas le temps de compter ses cornes. Faites-la boire. En plus, il était enveloppé d'un nuage de poussière. Buvez, madame. Un petit coup, ma chère petite dame. Courage. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le brouillard. Je calme vite, j'ai l'esprit clair. Ça va mieux? Il faut sa tête baissée, voyons. N'est-ce pas qu'il est bon? Justement, vous le voyez mieux. Mon chat. Sortise, sortise. J'ai un autre chat pour vous. Moi, vous osez prétendre que je dis des secrets? Je n'en veux pas d'autres. Parfaitement, des secrets. Bon, soyez philosophe. Et vous n'êtes qu'un prétentieux, un pédant. Monsieur, un pédant. Puisqu'il n'est pas sûr de ses connaissances. Car là, c'est rhinocéros d'Asie qui a une corde sur le nez. Le rhinocéros d'Afrique, lui, en a deux. Vous vous trompez. C'est le contraire. Mais c'est mignon. Voulez-vous parier? Je vais pas parier. Ne vous énervez pas, monsieur Béranger. Monsieur Jean. Je ne parie pas avec vous. Les deux cornes, c'est vous qui les avez. Espèce d'asiatique. Penses-tu, c'est un pari? Quand on se condamne ici? Voyons, messieurs, quelle espèce de rhinocéros n'a qu'une corne sur le nez? Vous qui êtes commerçant, vous devez savoir. Tu devrais savoir. Je n'ai pas de corne et je n'en porterai jamais. Les commerçants ne peuvent pas tout savoir. Si. Oh. Je ne suis pas asiatique non plus. Et d'autre part, les asiatiques sont des âmes comme tout le monde. Les asiatiques sont des âmes comme vous et moi. C'est juste. Vous ne demandez pas votre avis. Elle a raison. Ils sont des hommes comme nous. Il était si doux. Il était comme nous. Ils sont jaunes. Adieu, messieurs. Vous, je ne vous salue pas. Vous nous aimez tellement. Voyons, monsieur Béranger. Voyons, monsieur Jean. J'ai eu des amis asiatiques. Peut-être n'étaient-ils pas de vrais asiatiques. J'en ai connu des vrais. J'ai eu un ami asiatique. J'ai eu tout petit. Ils sont jaunes. Jaunes. Très jaunes. Et vous, vous êtes écarlate. Oh, ça tourne mal. Il était si propre. Il faisait dans sa sueur. Puisque c'est ainsi, vous ne me verrez plus. Je perds mon temps avec un imbécile de votre espèce. Vous faites comprendre. Il y a aussi des Asiatiques blancs, noirs, bleus, d'autres comme nous. Ivrogne. Oh, je ne vous le permets pas. Oh, il ne lui manquait que la parole. Vous n'auriez pas dû le mettre en colère. C'est pas ma faute. Allez chercher un petit cercueil pour cette pauvre bête. Je pense que vous avez raison. Le rhinocéros d'Asie a deux cornes, le rhinocéros d'Afrique en a une. Monsieur, soutenez le contraire. Vous en avez tort. Tous les deux. Vous avez tout de même eu raison. Venez, madame, on va le mettre en boîte. Je m'excuse, hein. Moi, je pense que c'est monsieur Jean qui avait raison. Soyez raisonnable, madame. Voulez-vous que je vous accompagne? Le rhinocéros d'Asie a une corne. Le rhinocéros d'Afrique, deux. Et vice-versa. Ah non, ce n'est pas la peine. Pas toi. Toujours des idées, pas comme tout le monde. Daisy a raison. J'aurais pas dû le contredire. Et votre mari a raison. Le rhinocéros d'Asie a deux cornes. Et celui d'Afrique doit en avoir deux. Et vice-versa. Supporte pas la contradiction, la moindre objection le fait écumer. Vous faites erreur, mon ami. Moi, pardon. La colère est son seul défaut. Peut-être sont-ils tous les deux pareils. Oh, dans le fond, il a un cœur d'or, il m'a rendu d'innombrables services. L'autre ne peut en avoir deux, sinon on n'a qu'une. Peut-être c'est l'un qui en a une, c'est l'autre qui en a deux. Moi, je regrette de ne pas avoir été plus conscient. Pourquoi s'entête-t-il, moi? Moi, je voulais pas le pousser à bout.
Mais si tu as toujours des énormités, vous êtes toujours épaté tout le monde par son savoir. Il n'y en a jamais qu'il pourrait se tromper. Avez-vous des preuves? À quel sujet? Votre affirmation de tout à l'heure, qui a provoqué votre fâcheuse controverse avec votre ami. Oui. Avez-vous des preuves? Comment savez-vous que l'un des deux rhinocéros a deux cornes et l'autre une? Et lequel? Il ne sait pas plus que l'autre. Mais on ne sait pas s'il y en a deux. Faut je crois même qu'il n'y a eu qu'un rhinocéros. Admettons qu'il y en ait eu deux. Qui est unicorne? Le rhinocéros d'Asie? Non, c'est le rhinocéros d'Afrique qui est bicornu, je le crois. Mais qui est bicornu? Ce n'est pas celui d'Afrique. Il n'est pas facile de se mettre d'accord. Il faut tout de même élucider ce problème. Messieurs, excusez-moi d'intervenir, là n'est pas la question. Permettez-moi de me présenter. C'est un logicien. Ah, il est logicien. Mon ami, le logicien. Enchanté, monsieur. Logicien professionnel, voici ma carte d'identité. Très honoré, monsieur. Nous sommes très honorés. Voulez-vous nous dire alors, monsieur le logicien, si le rhinocéros africain est unicornu ou bicornu? Et si le rhinocéros asiatique est bicornu? Ou bien unicornu? Justement, là n'est pas la question, c'est ce que je me dois de préciser. C'est pourtant ce qu'on aurait voulu savoir. Laissez-moi parler, messieurs. Laissons-le parler. Laissons-le donc parler. On vous écoute, monsieur. C'est à vous, surtout, que je m'adresse. Et aux autres personnes présentes aussi. À nous aussi. Voyez-vous, le débat portait tout d'abord sur un problème dont vous vous êtes malgré vous écarté. Vous vous demandiez au départ si le rhinocéros qui vient de passer est bien celui de tout à l'heure, ou si c'en est un autre. C'est à cela qu'il faut répondre. De quelle façon? Voici. Vous pouvez avoir vu deux fois un même rhinocéros portant une seule corne. Deux fois le même rhinocéros portant une seule corne. Comme vous pouvez avoir vu deux fois un même rhinocéros à deux cornes. Un seul rhinocéros à deux cornes, deux fois. C'est cela. Vous pouvez aussi avoir vu un premier rhinocéros à une corne, puis un autre ayant également une seule corne. Et aussi un premier rhinocéros à deux cornes, puis un second rhinocéros à deux cornes. Exact. Maintenant, si vous aviez vu... Oh, si nous avions vu... Oui, si nous avions vu... Si vous aviez vu la première fois un rhinocéros à deux cornes... À deux cornes. La seconde fois, un rhinocéros à une corne... À une corne. Cela ne serait pas concluant non plus. Tout cela ne serait pas concluant. Pourquoi? Oh là là, j'y comprends rien. Ouais. En effet, il se peut que depuis tout à l'heure, le rhinocéros ait perdu une de ses cornes et que celui de tout de suite soit celui de tout à l'heure. Je comprends, mais n'interrompez pas. Il se peut aussi que deux rhinocéros à deux cornes aient perdu tous les deux une de leurs cornes. C'est possible. Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Oui, toutefois. N'interrompez pas. Si vous pouviez prouver avoir vu la première fois un rhinocéros à une corne, qu'il fût asiatique ou africain. Asiatique ou africain. La seconde fois, un rhinocéros à deux cornes. À deux cornes. Qu'il fût peu importe africain ou asiatique. Africain ou asiatique. À ce moment-là, nous pourrions conclure que nous avons affaire à deux rhinocéros différents. Car il est peu probable qu'une deuxième corne puisse pousser en quelques minutes de façon visible sur le nez d'un rhinocéros. C'est peu probable. Cela ferait d'un rhinocéros asiatique ou africain. Asiatique ou africain. Un rhinocéros africain ou asiatique. Africain ou asiatique. Cela n'est pas possible en bonne logique. Une même créature ne pouvant